Comment nous est là? Moi, je suis monté Rey. Jean qui nous a publié sous page là. Et pendant que je fais un petit repos, je suis là parce que je suis arrivé là depuis bon, 2h ou 3h après-midi. Fatigue, un peu de fatigue. Et le voyage là dure plus que 12h temps. Je suis pour tirer dans la route. Quand je suis allé checker pour manger là. Bon, et j'ai un ami qui privé, qui pose une question, soit fait business dans le pays Mexique, qui me pral profiter de répondre là. Bon, passer l'autre bord vite. Zone ça relé Barrio Antiguo. Oh, oui, Barrio Antiguo, son ancienne zone. Elle dit, après, structure caillou nettement différent avec caillou moderne, on y a. C'est dans le bloc salam toujours descendre, il y a hôtel l'autre bord là. L'aime de venir monter la première fois, c'est l'aime de descendre, excuse ça va pas mal. On descend là dedans encore. Il y a un ami qui privé qui dit me consacrer, il a un projet venir ici pour venir faire business, il dit business là fait Haïti. Il a une capacité pour l'entrer même $2,000 américains par mois. Mais par rapport à Jean Payaï et les amis ont dit qu'ils ont quitté Haïti pour venir faire business ici. Qui conseille qu'ils m'ont fait concernant business? Bon, moi là, vraiment, je fais une vidéo. Je oriente les gens parce que je ne suis pas mieux placé pour répondre à une question. Ça, non? Mais comme je fais plusieurs interviews déjà, et par exemple, ensemble avec M. Bamon Rayo, il y a un architecte, un ingénieur, et il y a une activité, un business ici. Là. Et pour les gens qui ont envie de faire business ici dans le pays Mexique, je pense que depuis que nous avons fait une interview, ça, nous avons de plus ou moins une idée de qui est pour nous cibler dans le business. Non. Pour concerner la communauté haïtienne dans ici, il y a une communauté qui parle l'âge et qui gagne dans tout le pays. Et distance vraiment loin. Okay? Par exemple, nous jouons dans la communauté de Tijuana. Ici, la Monterrey, il y a quelques haïtiens. Nous avons dit une grande communauté, Mexico City, Tapachula. C'est là où nous sommes rentrés. Et il y a quelques qui étaient là, mais pas en pile vraiment. Nous avons transité à faire ici. Là. Alors, conseil que je vais vous donner qui pensent venir faire business ici dans le pays Mexique. Faites même ensemble avec M. Bamoray, vous pas visé haïtien. Si c'est business typiquement 100% haïtien que vous voulez venir faire ici, là, il y a une forte possibilité pour échouer. Pour ne pas dire à 100% net, parce que ça va dépendre des produits. Ou à vino fruits, ou à jouer moins, ou à jouer quelques autres gens pour acheter tout ça. Mais même les États-Unis, une grande communauté haïtienne, ou pas jouer ni ici là comme ça. Pourquoi gagner? Si pour le gagner, pourquoi gagner? Le compte qui est gagné une grande communauté ici là, c'est si les États-Unis portent la vie très étroite pour mon entrée, et puis. Les gens qui rentrent ici, ils sont obligés de rester ici à venir en communauté quand même. Mais tout autant qu'ils rentrent aux États-Unis, ils n'ont pas besoin d'une grande communauté qui est stable ici là vraiment. Et c'est une raison qui fait qu'on ne peut pas cibler vraiment pour faire business. Donc, Peter Multiservice lui-même, qui bail service et bail esthéticien, j'étais venu avec un paquet de produits qui haïtiens ont besoin d'un coup blé, petit mi et Malta. Parce que ici, le Mexique pas de Malta officiellement. Mais j'étais entré avec un paquet de produits. Et différents produits. Même produits cosmétiques que mesdames habitent à utiliser. Et si nous avons aimé qu'on ait côté l'acheter, bon, je vais citer quelques informations dans une interview que je fais ensemble avec lui. Lui-même, au contraire, qu'il laisse, je parle avec lui. Il me dit qu'il faut commencer à viser les Mexicains pour le business. Parce que là, j'étais venu, le business a pris un an là. J'étais commencé à faire business à Pachula. Le monsieur était venu, il était en pile monde. Et c'était la première fois, oui, Nicaragua. Et c'est à cause de Nicaragua qui fait, il était en pile haïtien dans la zone. Nan. Mais, pas oublier, toute porte est venue fermer, qu'on y a pratiquement pas en pile haïtien qui a entré. Ça veut dire, jouer un haïtien vraiment pour faire business avec vous, business sur le marché, pas facile. Je dis à la quantité de monde donne peut-être qu'on recevra pour un service dans le multiservice, il n'y a pas même bagaille. Quantité de monde qui a acheté produit dans le mail, ce n'est pas même bagaille là. Ça veut dire,
faut commencer viser bagay yon l'autre façon, OK? Nous te faire une vidéo nocturne dans zone ça là. Oui, si nous te regarde si gen moun la k'ap suiv moi l'aime démonter là. C'est là m'te faire une vidéo vie nocturne, de venir dans zone là. M'te montrer nous comment ça. Et normalement le soir, si tous les week-end, là gen en pile activité, gen plusieurs disco, gen bar, gen restaurant dans espace ça là. Et nous tout près Marco Plaza qui c'est une place publique qui puis populaire ici là là. OK, ça veut dire pour nous une idée, si business ou envie faire, c'est viser haïtien seulement. Pensez-le deux fois oui parce que pas jeune haïtien presque, moun yo presque finalé et malgré jeune ou bagay yo là États-Unis là, malgré en pile et propos contre migrants, majorité moun qui vini là objectif yo c'est entrer États-Unis, OK? Conseil que m'ka ba au moun, si ou vinn faire business ou mettre pencher sur haïtien à 10% 90% sur mexicain et l'autre nation. Font business universel. Yon business universel pour c'est pas seulement haïtien qui ont besoin qui pour rentrer dans business là, OK? Ça veut dire pour zamité privé, m'te dit comme c'est pas seulement lui même qui gagne idée, gagne l'autre monde qui gagne idée à tout. Alors, me fait une réponse globale pour tout le monde qui t'a pensé venir faire business ici dans pays Mexique. Pas viser haïtien même à 15%, mais on mettait à 10%. 10% c'est pour grain qui a passé et puis tout ça qui était là, OK? Et sans lui pour aussi gagner un minimum, par exemple si gagne produit pour le vendre ou faire livraison, mais sous que ou pas faire marché noyon et puis tout que mon qui a besoin produit ça, ça c'est vraiment important. Alors me dit faut que me te répondre les amis hein? Et puis l'autre monde qui t'a pour poser question ça tout. Et regardez vidéo ça, partagez-le surtout pour l'autre monde capable de jeûner, OK? Et puis une autre barrière très important pour nous faire pour moi sur plateforme là. Ouais, là on fait paraître sur plateforme là. Ou fait courir abonner mais beaucoup ils viennent poser une question. Al regarder si m'pas faire une vidéo sur ça d'abord parce que m'pas capable de chita faire même vidéo tout le temps faire même vidéo parce que ou on y rentrer pour tomber ou juste ou en Mexique pour tomber poser question, OK? Al regarder vidéo que m'gain là parce que on paquet de vidéo que m'fait déjà. D'accord? Pour dossier business là, parce que m'interviewé plusieurs moun ici là, Pasteur Frisnel et Volsi Anthony, dernièrement la dernière interview que m'te fait c'était ensemble avec professeur et acteur et Faustin Pierre qui te ba un paquet d'informations qui vraiment important. Et pour dossier légalisation business tantôt gen vidéo qui sorti déjà qui Volsi te bon quelques informations de comment ka légaliser un business ici là. Je pense que c'est vraiment, vraiment important pour que nous capables de garder des vidéos que je fais déjà avant même que nous courions et poser une question en privé ou du moins et poser une question dans un commentaire, quelques photos, quelques vidéos, quelconque. Okay? Moi, mon terrain, et j'ai un ami qui dit que ça ne me parle pas de vidéo dans le bus là. Bon, nous avons déjà, je ne suis pas obligé de faire vidéo dans le bus, je ne suis pas trop monotone dans la vidéo. Je vais dire que je là, je vais le montrer nous. Différents reportages que m'bra le faire, différents interviews que m'bra le faire là. Là moi dans centre exactement dans centre Monterrey. Belle ville. OK, c'est deuxième ville. Une ville qui gagne en pile millionnaire, en pile et développement là-dedans. Si m'gagne chance avant m'aller, m'bra le visiter quartier qui pi riche dans toute Mexique là net. Qui est le San Pedro Garza García, on va dire comme ça. C'est là qui a plus de millionnaires dans tout Mexique là, net. Dans la photo, je suis là, et je me dis que je suis venu au Mexique là, après un édifice qui est en pile, un gratte-ciel. Gratte-ciel qui est en pile, je crois que c'est lui-même qui est pire dans l'Amérique latine. Je pense que c'était ça, Chili, qui est pire, qui laisse à vos amis qui te dit, ça ici, là, pire, il prend des vents. Et gratte-ciel qui Chili a dire le Torre Obispado. Et mais c'est dans zone ça qui gen plus millionnaire ici dans pays Mexique. Moun qui gen bon petit bagaille nan men, OK? Rete connecté Leonasso dans Monterrey, n'a marché dans pays a. Et puis gen pile interview. Bon, pa konnen ki quantité m'a joine même gen tan gen environ 3 à 4 interviews confirmées pour me capable publier pour nous, OK? Alors, amis qui montent Rio pendant nous garder vidéo ça peut-être nous ka gen temps aller
Mais nous avons toujours été en contact avec lui pour si toutefois, nous avons tourné parce que nous toujours tourné Monterrey. Nous avons toujours tourné Monterrey. Et il y a un pilote de ville qui me bralé tout. Mais bientôt, là, nous avons des villes qui me bralé priorité. Parce que je viens là, ça fait deux fois que je viens à Monterrey, Mexico City, je bouquais faire vidéo. Mais il y a deux villes importantes pour m'aller bientôt là, qui c'est Tijuana, ensemble à côté nous, les Tijuana, ensemble avec Tapachula. Et en passant, pour zone ça, on t'a aimé jouer un sponsor, mes amis. Je ne vais pas me demander, même dans la nécessité pour ça, ok? Si vous voulez faire publicité pour business, l'agence a servi pour me marcher, faire travail là. Si vous avez un business, vous voulez faire plateforme dans yon cadeau, juste écrit sur Facebook, inbox moi. Et puis, ma beaucoup l'or qu'a utilisé pour faire plateforme dans yon cadeau. M'a besoin de mettre Zelle, Cash App, mon cash et PayPal. M'a besoin de mettre ça. M'a pas affiché trop de bagaille dans la vidéo. Mais de vous priver dans le cadre de support pour travailler là, vous avez besoin d'informations pour capable aider. Ok? Et partagez la vidéo, quittez un commentaire, balayez un like. Si vous pouvez suivre-moi, abonnez-moi sur YouTube. On nous bat pour nous arriver dans 100 abonnés à bientôt et puis tout n'apprenons l'autre vidéo. À la prochaine.